l'âme société haïtienne, c'est vaudou. Vaudou, c'est lui-même qui inspirait société, c'est lui-même qui a la genèse même de la création du peuple haïtien. Protestant, maçon, franc-maçon, musulman, n'importe quoi, ou c'est haïtien, ou c'est vaudou tout. Moi-même, non, pas c'est Erol Josué, c'est un artiste, interprète, chorégraphe, danseur, performeur. C'est un Ongan, initié depuis plus de 30 ans. Moi, c'est directeur général du Bureau national d'ethnologie. Et en tant qu'artiste, je travaille en pile dans le champ de l'ethnocénologie. Ça veut dire que le rapport, le lien entre la scène et l'ethnologie, sous anthropologie culturelle. Moi, je vis en Haïti depuis 8 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis directeur général du Bureau national d'ethnologie, qui est le laboratoire Science Peuple, qui travaille sous question archéologie. Bureau national d'ethnologie, qui est un cap fêté année 79 ans d'existence, qui est créé par Jacques Roumain en 1941, qui sont bureaux qui étaient créés, le bureau d'ethnologie qui était créé vraiment au lendemain de l'occupation américaine, parce que Haïti était grand pile problème, crise identitaire était traversée parce que nous connaissons qualité dégâts que l'occupation américaine a fait. Nous avons été vaudou, a été subi, nous avons été en partie superstitieuse. Jacques Roumain en tant qu'ethnologue avant la lettre, Jacques Roumain en tant que militant pour la cause populaire, il était créé le bureau d'ethnologie pour essayer de conserver, protéger et identifier, inventorier tradition populaire pays d'Haïti. Et vaudouan, c'était une majeure partie, une gros morceau qui était mis sous l'équipe de la création de bioéthnologie avec archéologie, qui sont notre forme de lecture sur Haïti. Bioéthnologie, c'est ancêtre l'Institut ethnologique qui pourra le créer tout de suite après, quelques années plus tard, par l'Institut ethnologique pourra le créer par Dr. Mars et qui pourra le tourner à la faculté d'ethnologie. Et bioéthnologie, en 1984, par arrêté présidentiel, Vintoune, Bureau national d'ethnologie. Il était toujours un musée, nous sous champ de masse à place de l'indépendance, dans l'ancien musée du peuple haïtien. Nous, là, pour nous identifier, travailler sur tout ça qui est dans la mission, nous, sur la culture profonde du pays d'Haïti. Tout ça qui est sous terre, qui est en bas de terre, pays d'Haïti, même sous la mer, en bas de la mer. Et toute tradition populaire, tradition orale, ça je dis en plus, on a défendu les PCI, le patrimoine culturel immatériel d'Haïti. Puis gros, nous sommes capables de réalisation de l'ethnologie, c'est déjà présence en tant que telle, en tant qu'espace de recherche, espace scientifique, qui pour comprendre la société. Ce n'est pas construit un gros caille, ou soit construit un gros bâtiment qui pourrait dire que nous réaliser. Mais c'est existence en la société, c'est travail dans le tissu social même de l'haïtien. Et chaque rapport ressorti dans le bulletin ethnologie, Jean Haïtien, c'est un espace côté pour comprendre, je nous dis, laboratoire science peuple. Et c'est un bureau qui est très important. Et côté, nous avons G sur la question des fouilles archéologiques, nous avons G sur tout ça qui est haïtien à régler ici, là où soit l'autre bord de l'eau. Qui dans la culture haïtienne. Parce que même si un haïtien parti dans l'étranger, dans la communauté haïtienne, il a créé un petit bout haïtien, pas il est venu le porter avec mélange en l'autre haïtien. C'est le rôle nous en tant que bureau d'ethnologie, c'est rechercher, c'est identifier, faire qu'on est évolution nous, tout, dans tout sens. Et nous avons l'autre. Si on a parlé de réalisation ou soit activité, nous menons toute activité au niveau de bulletin. Au niveau de l'audiovisuel, nous avons une bibliothèque spécialisée qui est en état n'a pas rénové. Nous avons un musée, nous montons un musée ethnographique qui était dans un état difficile nous remonter parce que nous pensons aujourd'hui à la société, ça a besoin de musée, la société, ça a besoin de visuel. C'est une grosse réalisation yo, avec exposition côté nous mener exposition yo, dans la rue. Puisque la rue a ce salon peuple, eh bien, nous avons des photos. Dans la question de la crise identitaire, Haïti a passé. Dans le jeu, nous regardons aujourd'hui, les gens haïtiens, les gens haïtiens, nous regardons aujourd'hui,
Eh bien, il faut que nous rappelions qui est-ce qui maman, qui est-ce qui papa, qui est-ce qui grand-papa. Yo. Et pour nous rappeler, il faut mettre photo grand-papa, grand-maman, richesse dans la rue, dans le salon. Pa yo. Et une grosse richesse, une gros événement, je suis capable de dire si je suis capable de voir les fleurs sous propre tête. Et nous avons rapatrié l'année dernière 469 œuvres archéologiques que, avec, de concert avec l'ambassade américaine. Et FBI qui était aux États-Unis d'Amérique, que FBI lui-même était saisi, que nous-mêmes, nous travaillons de concert avec eux pour nous récupérer et rapatrier en dedans ici. Là. Et nous travaillons pour nous gagner des espaces spéciaux, côté pour nous avoir un vrai musée de Taïno, des vrais espaces qui sont capables de recevoir, côté société haïtienne, côté jeunesse haïtienne, capable de continuer à connaître grand-papa, grand-maman et richesse patrimoniale que vous gagnez dans le pays d'Haïti et qui est allé à l'étranger et pour qui raison d'aller, qui j'en d'aller et qui j'en tourner et qui j'en est capable de profiter de lui. Bureau national ethnologique a un gros rapport avec Vodou. Et je dis à bien content de ça pour nous clair sur lui. Pour nous, pour haïtiens, certains haïtiens ou soit certains moun abdi, comme si Bureau national ethnologique, soit son péristyle, si vous prenez là deux niveaux. Soit au début de l'année, ils sont péristyle, c'est bagarre vaudou fait la donne, ou soit gain qui dit parce que c'est gain vaudou la donne, il y a pas qu'être débat. Heureusement gain débat. Moi je pense que c'est très important d'avoir des débats. Mais ça pour moun yo connaît Bureau national ethnologie son bureau, son espace scientifique, son espace, son institution publique qui travaille sur tradition populaire, qui travaille sur ethnologie et qui dit ethnologie en Haïti et qui dit anthropologie en Haïti, qui dit tradition populaire, qui dit l'âme société haïtienne, c'est vaudou. Vaudouan, c'est lui-même qui inspirait société, c'est lui-même qui a la genèse même de la création du peuple haïtien. Protestant, maçon, franc-maçon, musulman, n'importe quoi, ou c'est haïtien, ou c'est vaudou tout, parce qu'il fait partie de tissu social, ou il fait partie de, ou même colonne vertébrale. Non? Alors, pas ta kagon bureau d'ethnologie qui a défendu tradition, qui a inventorié ça qui gagne comme culture pour le patan vaudou. Je dis à si. Je vais prendre un exemple, surtout à monde qui toujours dit que l'ethnologie n'est pas supposé qu'il y ait un vaudou là, dans nos soirées trois vaudous. L'ethnologie, c'est pour un espace cérémoniel vaudou. C'est pour un péristyle vaudou. C'est pour un fort vaudou. C'est pour l'école vaudou. Mais en même temps, son université, son école vaudou tout. Parce que soit inventorier, si je dis que je inventorie pratique culturelle, et puis nous travaillons en pile, par exemple, sur tambour, qui sont jouer tambour qui sont patrimoine immatériel, patrimoine culturel immatériel. Et pour m'inventorier tambour ada, tambour peto, tambour congo, et dans vodou pour m'aller. Et c'est là que tambour est. Et qui ça qui accompagne tambour, ce sont les chansons. Qui est-ce qui chante tambour? Ce sont les vaudouisants. Alors tout ça y est lié. Et qui est-ce qui chante, qui vaudouisant au fin de chanter avec qui ça y est? Qui ça le fait? Quoi le fait danser? Alors, m'inventorier chanter, m'inventorier tambour et m'inventorier danse. Et pour me faire inventorier tout, il faut mandal. Et pour mandal, pour me comprendre. Alors, vos doigts très proches. Si même aller même dans le côté qui t'apparaît plus profane, si même la tradition populaire rara, ou soit carnaval, que nous travaillons sur ensemble comme pratique culturelle, qui côté bon rara est sorti? Dans le péristyle, yo, dans la cour, dans un foyer, qui côté bon mardi gras carnaval est sorti? Dans le péristyle, yo, dans la cour. Je dis à si nous regardons les protestants qui ont la prière, les gens qui ont prié, qui côté mode protestant ça a sorti? En Haïti, qui côté mode catholique ça a cap sorti, qui a fait pèlerinage dans l'église catholique, yo? C'est dans vos doigts qui sorti encore. Je dis à si vous regardez les francs-maçons, si nous avons travaillé sur les francs-maçons, qui côté dans le monde, à part maçon haïtien, ma franc-maçon travaille avec Florida, Basilique, son franc-maçonnerie qui adapté. So, du coup, vous doit inspirer toute société, toute couche sociale là. So, nous avons un regard, et nous avons, même pas un regard, nous avons ancrage en dans vos doigts, et mal plus loin que ancrage, nous avons racine en dans vos doigts, nous avons tête nous menti la donne. Mais c'est pour un espace côté, vous devez bien aimer, vous devez vous sentir, très bien dans l'espace ça, pour qui ça? Parce que vous avez le droit de citer. Vous êtes à la création même du Bureau national d'ethnologie. Vous devez en plus faire un peu de vous voulez chanter un témoin ou un Bureau national d'ethnologie. Ce n'est pas juste parce que vous pensez que c'est un péristyle, non? C'est parce que vous connaissez que c'est vous-même, c'est vous devez en premier, par, si nous prenons référence avec Mambo Logina et l'Orge de la Saline, c'est Mambo, c'est Mounsao qui était le premier artefact, qui était le premier accessoire vous devez la Jacques Romero, puis vous avez monté musée et musée ethnologie. Là. Yo lié son seul lié
Vaudouan, c'est lui-même qui protège jalousement langue là, c'est lui-même qui protège ouvertement langue créole là. Vaudouan, c'est lui-même qui promotion, qui fait promotion langue créole là. C'est lui-même qui démarre là, à partir de la Sébonne du Bois Caïman, qui fait toute balance, toute qualité captif esclave qui était sous dans l'enfer esclavagiste, qui était dans l'enfer domaine Guaza, t'es décidé par l'enfer langue créole. Et si à partir de eux-mêmes chantez vaudou en créole pour l'exister, nous pas qu'à célébrer 28 octobre créole sans biologie par la donne, sans le permettre par la donne, soit vaudou. C'est lui-même qui protégeait tout chantez vaudou sans créole. C'est vrai laboratoire qui conservait et qui fait promotion vaudou.